Bonjour, et eh bien voici une proposition de correction de la partie didactique de mathématiques du concours de CRPE de 2021. Le groupement 1. C'est parti. Et eh bien voici donc la correction du groupement 1, donc partie didactique de mathématiques. Rapidement ici, dans la situation 1, un enseignant euh, propose en cycle 3 une activité consistant à fabriquer une règle graduée en quart d'unité, donc la règle c'est tout ça, à partir d'une euh, bande unité, la bande unité c'est ici. Chaque élève reçoit une bande unité manipulable et une bande vierge tirée du livre, etc. Analysons maintenant les erreurs et les éventuelles réussites de chacun des élèves. Commençons d'abord par l'élève A. L'élève A tout d'abord a parfaitement réussi à découper l'unité qui est ici en 4 parts. Il a bien reporté l'unité autant de fois que nécessaire sur la règle qui est ici. S'il avait remplacé 1, 2, 3, 4 par 1 quart, 2 quart, 3 quart, 4 quarts, l'exercice aurait été parfaitement réussi. Mais cet élève A ne semble pas encore distinguer les nombres entiers des nombres fractionnaires. Chaque intervalle alors redevienne pour lui des nombres entiers. Il applique donc dans cette situation les caractéristiques des nombres entiers euh, aux nombres euh, fractionnaires. Chaque intervalle redevient pour cet élève une unité. L'élève B, quant à lui, considère bien l'unité comme étant 1. Une unité et cette unité, effectivement, il tente de, euh, par de la partager en quatre parts égales en quarts, et ensuite il va plus loin. Il sait que 1 plus un quart ça fait bien cinq quarts, puis six quarts, sept quarts, et qu'arriver à huit quarts, c'est ça correspond bien au nombre entier 2, et ainsi de suite. Il commence sa règle graduée par 0 quart, sans doute pour euh, ne pas confondre les euh, intervalles avec les graduations. On peut dire que cet élève a parfaitement compris l'exercice, a parfaitement compris aussi ce que sont que les quarts, mais par contre, il a eu du mal à fractionner l'unité qui est ici en parts parfaitement égales, comme on peut le voir ici. Les espaces ne sont pas les mêmes. L'élève C, quant à lui, il sait euh, ajouter euh, un quart supplémentaire au quart précédent. Ici, on voit bien un quart, deux quarts, trois quarts, quatre quarts, cinq quarts, etc. Par contre, contrairement euh, à l'élève B, il ne transforme pas quatre quarts en une unité. Donc, on ne peut pas savoir s'il sait que 4 quarts, c'est bien 1. Et ensuite, tout est bon jusqu'à la fin où il a 11 quarts, 12 quarts, 14 quarts. Là, on peut imaginer que cette erreur est due à une surcharge cognitive après avoir écrit tous ces quarts. Cependant, l'élève C confond intervalle et graduation. Donc, en fait, il met un quart dans le premier intervalle, puis deux quarts dans le deuxième, trois quarts dans le troisième et quatre, et quatre quarts dans le quatrième, alors que quatre quarts devraient être au bout de la graduation. Lui, il la met dans l'intervalle. L'élève D, quant à lui, euh, s'est compté aussi en quarts, en ajoutant un quart supplémentaire. On le voit avec zéro quart, un quart, deux quarts, trois quarts, quatre quarts. Donc, ici, euh, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Seulement, l'élève D n'a pas compris l'exercice et pense que c'est la règle qui est l'unité. Il pense que la règle c'est 1. Si bien qu'il a partagé sa règle en 4, en 4 parts et a appelé ces parties euh, des quarts. Il ne s'est donc pas du tout référé à la bande unité qui signifiait 1, mais a considéré sa règle comme étant 1. Voyons maintenant l'exercice le, 2, il fallait citer deux critères qui peuvent être présentés aux élèves pour construire correctement une règle grad graduée en quarts à l'aide de la bande unité. Premier critère possible, eh bien il faut dire aux élèves que tous les intervalles doivent être exactement de la même longueur. Deuxième critère, il faut que chaque nombre fractionnaire soit sous une graduation et non dans l'intervalle. Voyons maintenant la situation 2 avec cet exercice de symétrie. Rapidement, passons à la première question où il fallait citer deux prérequis nécessaires pour réaliser cet exercice. Le premier prérequis, bien sûr, est de savoir... Reproduire la symétrie d'une figure. Le deuxième prérequis est de se repérer sur un quadrillage. On pourrait aussi dire, peut-être de manière un petit peu plus euh, superfétatoire, que les élèves doivent savoir ce qu'est un axe de symétrie. Il fallait ensuite identifier une variable didactique dans le choix de la forme proposée, le bateau. Donc évidemment, le bateau n'a pas été choisi au hasard. Et une variable, eh c'est d'avoir des euh, segments qui sont obliques. En ayant des segments obliques, on complexifie. Euh, la reproduction euh, par symétrie de euh, ce bateau. On pourrait dire aussi que le bateau lui-même n'est pas symétrique et qu'on a choisi par exemple une coque euh, avec un nombre de carreaux différents à droite et à gauche. Passons maintenant à l'analyse des euh, quatre euh, productions ci-dessous. Farid, lui, se repère parfaitement sur les quadrillages. On a exactement le même bateau à gauche et à droite. Les obliques sont parfaitement réalisés et il est exactement à la même hauteur. Ici, Farid a considéré qu'il fallait reproduire exactement à l'identique les bateaux. Il ne s'est pas préoccupé de l'axe de symétrie. Et pourquoi est-ce qu'il part de deux carreaux ici Eh bien tout simplement parce qu'ici, il y a un carreau et donc comme il fallait reproduire exactement la même chose, il est parti du bord de la feuille qui est ici et il est parti à un carreau aussi. Donc il a reproduit exactement la même chose à droite et à gauche en partant du bord de la feuille et non de l'axe de symétrie. Alors Lise, quant à elle reproduit euh, le bateau de manière symétrique presque parfaitement, c'est-à-dire que le bateau est, eff est effectivement symétrique sauf qu'il n'est pas à la bonne distance de l'axe de symétrie. Alors pourquoi Eh bien sans doute comme Farid, elle a considéré ici qu'il y avait un carreau par rapport euh, de distance par rapport à l'axe de symétrie et donc elle est partie non pas de l'axe de symétrie mais du bord de la feuille et ensuite a décalé aussi d'un seul carreau et ensuite a reproduit parfaitement en symétrie le bateau. Luan a partiellement euh, réalisé la symétrie du bateau, c'est-à-dire qu'il est effectivement à la bonne distance, la coque est parfaitement réalisée et à partir du moment où il a dû, euh, elle a dû faire la voile, ici il y a eu une difficulté sans doute à cause des obliques qui est ici plus grand que les obliques de la coque. Baptiste quant à lui a réalisé deux bateaux parfaitement symétriques qui sont parfaitement à la même distance de l'axe de symétrie, euh, l'oblique de la voile est parfaitement réalisée, sauf que euh, il n'a pas bien reproduit la figure initiale puisque il a réalisé une coque qui elle est euh, symétrique. Voici maintenant donc la troisième situation. On est en cycle 2 dans cet exercice. Pour le carnaval, la directrice d'école a acheté 71 masques. Il y a 42 masques de souris, 18 masques de chats et des masques de chiens. Combien y a-t-il de masques de chiens À partir de la note qui est ici sur les compétences modélisées et calculées, il faut analyser les réussites et les échecs pour chacune des compétences. Eh bien, commençons par l'élève A et euh, commençons par la compétence modélisée. Ici, on voit que l'élève a parfaitement modélisé le problème. Elle voit parfaitement qu'il faut d'abord calculer le nombre de masques que l'on connaît pour arriver à 60 masques. Puis ensuite, eh bien, elle cherche combien euh, il lui manque de masques pour aller jusqu'à 71 en effectuant un dessin. Elle effectue donc plusieurs technique ou plus elle a plusieurs procédures, pardon, une procédure de calcul en ligne, une procédure de calcul posé et une procédure de schématisation pour arriver jusqu'à 71 masques. Sa réponse est donc parfaitement juste. Concernant euh, ses compétences calculées, eh bien on peut voir qu'elle maîtrise parfaitement l'addition, que ce soit l'addition posée ou l'addition euh, en ligne, mais ici sans doute l'addition la, la, euh, posée, euh, elle Connaît, euh, elle sait comment mettre la retenue, elle ne l'oublie pas, les une dizaine qui sont ici, donc ça c'est parfait. Par contre, il semblerait qu'elle ne connaisse pas l'opération euh, experte pour aller de 60 jusqu'à 71, c'est-à-dire la soustraction. Et donc ni en ligne ni de manière posée, elle n'a fait 71 moins 60 pour trouver 11. Elle a été obligée de faire un dessin pour faire comme une addition à trous schématisée. L'élève B, quant à lui, exactement comme l'élève A, modélise parfaitement le problème. Pour le modéliser, il est obligé de le schématiser, mais il, parfum, il comprend parfaitement la situation, c'est-à-dire qu'on a bien 42 masques d'un côté, puis 18 masques qu'il faut additionner, ce qu'il fait euh, en euh, dessinant chacun des masques qu'il représente par un trait. Ensuite, il dessine le nombre de masques symbolisés par des petits traits manquants pour aller jusqu'à 71. Il réalise alors le calcul, 42 plus 18 plus 11 de manière euh, alignée, pour trouver donc 71 et 11 masques. Donc, il ne donne pas donc de phrase-réponse pour dire euh, combien il y a euh, de masques de chiens. Concernant les calculs, pour l'élève B, on ne peut pas dire s'il maîtrise les techniques opératoires de l'addition, puisqu'il a été obligé de dessiner les 42 masques, puis ensuite a sans doute compté de 1 en 1 pour aller jusqu'à 60 masques, et a continué ensuite pour aller jusqu'à 71 masques. Donc la réponse qui est ici, en fait, n'est que le résultat de sa schématisation. L'élève C, quant à lui, n'a pas tout à fait saisi le problème, il n'a même pas compris du tout, puisque euh, l'élève a pris tous les nombres du problème, et par contrat didactique, elle pense qu'il faut utiliser tous les nombres d'un problème pour pouvoir ensuite trouver la réponse, et elle a décidé d'additionner euh, chacun des nombres sans se soucier ou se préoccuper du sens de ce qu'elle faisait. On est typiquement ici dans la situation de l'âge du capitaine de Stella Baruch, qui démontre que certains élèves, évidemment, par contrat didactique pensent qu'il faut utiliser chacun des nombres du problème pour le réaliser. On peut dire que cette élève concernant le calcul s'est posé une addition. Euh, sait poser une addition. Euh, elle sait euh, en tout cas additionner les unités et mettre une dizaine en retenue. Par contre, elle n'obtient pas le bon nombre de dizaines ici, puisque. Elle aurait dû obtenir 13 dizaines alors que elle n'en compte que 11. Pour l'élève D, on peut penser qu'il a su aussi modéliser le problème puisqu'il trouve le bon nombre de masques euh, de chien. Son opération en ligne est parfaitement juste et il trouve effectivement le bon résultat. Concernant ses calculs, on ne peut y mettre que des hypothèses de la manière dont il a obtenu 11 masques de chien. Peut-être a-t-il calculé d'abord 42 plus 18 et a-t-il obtenu 60, mais on l'identifie mal, mais c'est sans doute ce qu'il a obtenu. Et ensuite, peut-être que de tête, il a compris que de 60 à 71, il manquait 11. D'ailleurs, la langue compte pour lui. Si bien qu'ensuite il a tout barré et puis ensuite a considéré que 42 plus 18 ça faisait bien 60 parce qu'il l'avait bien mis ici et il suffisait ensuite pour compléter pour aller jusqu'à 71 de rajouter 11. On peut imaginer aussi qu'il savait que 42 plus 18 faisait 60, puisqu'il a dû le calculer ici, et ensuite a procédé en allant, en complétant 60 jusqu'à 71, faire une addition à trous en faisant des petits bâtons ici pour compter de 1 en 1, et puis a identifié 11 bâtons, donc 11 masques pour compléter son addition. Dans l'exercice 3 qui est ici, on propose un autre exercice. Pour le carnaval, la directrice d'école a acheté 42 masques de souris et 18 masques de chien. Combien la directrice achète-t-elle de masques au total quelles erreurs risqueraient de ne pas être détectées eh bien, dans un premier temps, les élèves qui, par contrat didactique, pensent qu'il faut utiliser tous les nombres d'un exercice pour trouver un résultat, eh bien, ne seraient pas détectés ici. C'est-à-dire qu'ils prendraient eh bien, les deux nombres qui sont ici, les additionneraient, sans doute aussi par contrat didactique, puisque la question est combien la directrice achète-t-elle de masques au total. Donc, les termes, les mots, le vocabulaire induit une addition, si bien qu'on ne va pas voir les élèves qui ne savent pas modéliser un problème à deux étapes. On ne pourrait pas voir non plus si les élèves sont capables d'effectuer une soustraction, quelle que soit la manière dont ils vont la faire. Euh, dans l'exercice précédent, les élèves vont plutôt utiliser une addition à trous pour trouver euh, le, le nombre de masques manquants. Et ici, forcément, on ne pourra pas voir cette compétence dans cette situation. Il fallait ensuite, dans l'exercice 4 qui est ici, proposer deux pistes de remédiation pour l'élève C. Alors pour l'élève C, euh, une des pistes de remédiation, c'est de jouer sur les variables didactiques de l'exercice. Donc au lieu de mettre 71 masques, 42 masques et 18 masques, on pourrait dire par exemple, pour simplifier la situation, 10 masques et il y a par exemple 3 masques de souris et 2 masques de chat. Combien y a-t-il de masques de chien Donc avec des nombres plus adaptés, plus accessibles, l'élève va peut-être pouvoir... Euh, comprendre la modélisation ou comment modéliser le problème. Deuxième remédiation possible, eh bien, c'est d'aider l'élève à faire ce que les autres essayent de faire, c'est-à-dire de schématiser le problème et le schématiser avec des nombres qui sont parfaitement adaptés. Et là aussi, ça va être beaucoup plus simple, par exemple, de considérer en tout, on a 10 masques, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et de dire qu'on a 3 masques, par exemple, euh, de souris et qu'on a 2 masques de chat. Combien reste-t-il de masques Sachant qu'en tout, nous en avons 10. Passons maintenant à la situation 4. Nous sommes en moyenne section et les élèves doivent replacer un lapin sur un train. Quel aspect du nombre est travaillé dans cet exercice Eh bien, l'aspect du nombre qui est travaillé dans cet exercice est l'aspect ordinal puisque l'élève doit rechercher le rang de l'image en utilisant le nombre en tant que ordinal. Donner deux prérequis pour qu'un élève puisse réussir la tâche. Eh bien, les deux prérequis principaux vont être connaître la suite des nombres et savoir faire une correspondance terme à terme. Proposer deux variations pour simplifier cette situation. Eh bien, pour simplifier cette situation, il faudrait par exemple réduire le train et faire en sorte qu'il n'y ait que quelques cases et pas autant de cases que ce qu'on voit ici. Pour simplifier la situation aussi, on pourrait mettre le train euh, modèle juste au-dessus euh, du train euh, de l'élève. A contrario, pour complexifier la situation, eh bien, il suffit par exemple de rallonger le train et de multiplier le nombre de cases, d'éloigner alors le train euh, des bords de façon à ce que l'élève euh, puisse compter euh, plus loin. On pourrait proposer aussi de multiplier les lapins dans le train et de poser autant de lapins à la bonne place euh, qu'il y a de lapins dans le train initial dans le train de l'élève. Bien entendu, quand on vous demande deux variations, il ne faut pas en donner trois, ni quatre, ni une, bien entendu. Voilà, j'espère que cette correction vous aura convenu et puis surtout vous rassurera. Je vous souhaite bon courage.